hurts my soul. Donc maintenant, on doit déjà passer donc, le moulin. Toute la partie moulin, c'est la partie la plus ancienne, c'est la partie où on se trouve ici, jusqu'au bout. Et cette partie-là, qui a plus de 200 ans, encore aujourd'hui, la 1782, la dernière partie du moulin. Première activité, c'était moulin farine, et puis après une grosse activité filature. Et il a terminé après par une activité scierie qui s'est arrêtée en 1974. Et après, comme tout l'homme, on va dire plus ou moins intelligent, il y avait en fait des machines. Mais quand vous arrêtez l'activité, ils vous obligeaient en fait à démonter les machines s'il n'y avait pas de repreneur pour éviter le travail. Au noir. Ouais. D'accord. Voilà. Donc déjà à cette époque-là, vous voyez, 74, on obligeait les gens qui avaient une entreprise comme vous. Ou comme je disais ici un moulin, bah, démonter les machines et pas les laisser. C'est pour ça qu'il n'y a plus rien. Uniquement le régulateur à boule et la roue intérieure avec quelques démultiplicateurs. Donc le régulateur à boule, lui, permettait lui, de réguler en fait, la vitesse de la roue pour monter et descendre les manages qui sont juste en face de la roue, selon les besoins évidemment, des machines. Voilà. Donc c'était automatisé grâce évidemment à des plis et des courroies. Donc à cette époque-là, c'était déjà automatisé. Une sans informatique, hein, bien sûr. Hein, une précision pour. Non, on n'est pas là. C'est pas de commande numérique, non. Il n'y avait pas de numérique. C'est ça, déposé de bilan, et c'était mis en vente. Et c'est là où ça a été racheté sous forme de SCI pour en faire, on va dire, des activités sur le site. Et après, c'était loué à moi, en 2003, pour en faire. Donc une salle de réception et des chambres d'hôtes. Ah, une petite chambre d'hôtes. Voilà. D'accord. Là-bas, dans les... Non, tout ce qui est la longère qui se trouve à côté du moulin, ce sont des chambres d'hôtes. D'accord. Alors, c'est pas gîte pour l'instant. On a peut-être la possibilité de faire gîte, on ne sait pas encore. Ou alors une chambre familiale, qui est une pièce pour l'instant, c'est pas encore. Ouais, parce que c'est vrai que les chambres familiales, c'est pas mal. Mmh. Et vous pouvez oublier, là, c'est un moulin industriel. Donc, c'est pas fait pour, on va dire... que ce soit joli, qui sont des bâtiments uniquement pour stocker et pour rencontrer. Donc nous, d'abord, on a ouvert, quand j'ai ouvert, on a ouvert à plusieurs personnes, là c'était fermé, on a ouvert. De l'autre côté, c'est pareil, il n'y avait rien, c'était un mur,